Dans cette vidéo, je vais briser 100 règles de football pour voir si je vais me faire bannir du foot ou non. On commence par la première règle qui est dit qu'il est interdit de porter un maillot de Paris à Marseille. Et là, on a Marseille. Non, j'avoue, c'est bon, on ferme. Bon les gars, c'est parti, début du match, le petit va en goal. Mais pour une fois, je vais briser la règle et je vais pas au cage. Mais depuis quand? Mais depuis maintenant, mais oui, je suis petit, mais je vais pas au cage et je brise la règle. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de crier. Ici, c'est Paris devant le Vélodrome. Maintenant, Mini Crypto, si t'es un homme, dis-le. T'es un fou, je vais pas dire ça, je vais te frapper là. Moi, jamais je le dis, je suis supporter de l'OM, impossible que je le dise. Ici, c'est Paris. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une règle qui dit que c'est interdit de mettre un crossbar dans un magasin de football. Vas-y, t'entends premier. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Le crossbar challenge et j'ai brisé la règle. Ce ballon est un ballon qui fait des effets. Et l'INRE qui dit qu'il est interdit de tirer avec parce qu'il est trop cheaté. C'est parti, on va le tester. Allez, c'est parti, on va voir si ça fait vraiment des effets et on va briser la règle. C'est parti, brisons la règle. Allez, allez, brise la règle. Oh là là, mais t'as carrément brisé la règle hein. Là, j'ai brisé la règle, le ballon elle a fait des effets et il est vraiment cheaté. Moi, je vous le dis, j'ai brisé cette règle. Il y a une règle qui dit qu'il est totalement interdit d'acheter un produit du PSG dans un magasin de sport à Marseille. On va voir s'il y a des produits du PSG à Marseille. C'est parti. Regardez derrière nous, il y a plein d'articles de l'OM. Et ouais, une veste, il y a tous les biens, regardez. Regarde ce que c'est écrit, Marseille. Ça veut dire que là, on est à Marseille. Tu pourras pas te rendre du PSG, je te le dis. Il y a le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United, mais aucun signe du PSG. Il n'y a que des ballons de l'OM ici, c'est impossible qu'on trouve un truc du PSG. Mais regardez, les ballons de l'OM, en plus ils sont trop bons. Il y en a 40 en plus, mais il n'y a pas un truc du PSG. C'est impossible qu'on trouve un produit du PSG, je vous le dis. Je vais chercher, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien de chercher, Mini Crypto. Tu ne trouveras jamais un produit du PSG, je te dis. T'inquiète pas, c'est sûr, ils doivent vendre. Impossible, c'est impossible, des fous, des ballons. Oh là là, mais regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas le PSG. Non! C'est le ballon du PSG. Ah, bien, c'est bon, t'as brisé la règle. J'ai brisé la règle et en plus de ça, je vais l'acheter. Tu passes en caisse, tu l'achètes et t'auras brisé la règle. Ok, c'est parti, let's go. Oh! Fuck! Comment? Vous l'avez tous vu, j'ai simulé. Et il y a une règle qui dit que c'est interdit de simuler au foot. Alors j'ai brisé la règle de simuler au foot et l'arbitre ne m'a même pas vu. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit d'organiser un 1 contre 1 dans un magasin de foot. C'est vrai, c'est un truc de fou. Vas-y, je vais t'affronter. C'est impossible qu'on passe, Crypto. Vas-y. On a fait un contre un, on a brisé cette règle, mais c'est très compliqué. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de changer de place dans un match. Pour le moment, il n'y a personne, mais si je me mets ici, de base, c'est quelqu'un que je dois laisser. Donc si je me mets ici, regarde ce que je t'en passe. Il va me dire, pars-toi de là. Regarde, pour le moment, la règle est brisée et la sécurité n'est même pas intervenue. Pour clairement le stade de l'équipe, il s'en fout. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de célébrer comme Kylian Mbappé devant l'OM. Kylian Mbappé, c'est brisé. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer avec des crampons au ressort, car un gardien, ça nous permet de sauter plus haut. C'est bon, je suis prêt. Waouh, saute hyper haut. C'est incroyable, je suis devenu trop fort avec ces ressorts. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de ramener un tacos dans un match de foot. Et moi, vous connaissez, en tant que tacos au tacos, j'étais obligé de munir mon tacos, les gars. Du coup, là, déguster mon bon tacos devant le match. Et c'est parti, la règle brisée. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de porter une chaîne comme celle-ci au football. Mais pourquoi? Ben je sais pas. Bah attends, vas-y, cours. Ça te gêne là? Ah, ça me gêne de fou. Oh là là, c'est même décroché. Mais c'est pour ça que c'est interdit. Ah, mais je me l'ai cassé là, c'est interdit. C'est interdit. Ça veut dire qu'on a brisé la règle. Bah t'as brisé la règle, t'as brisé la chaîne. La prochaine règle à briser, c'est interdit de s'infiltrer dans le stade de l'Olympique de Marseille. Le stade est juste derrière moi. Et là, je crois qu'il y a les loges VIP. On va essayer de s'infiltrer, let's go. Vous avez vu juste ici, il y a écrit présidentielle loge. Ça veut dire que c'est les loges des joueurs. Et on va essayer de s'infiltrer, let's go. Allez, allez, j'espère que c'est ouvert. Si j'arrive à m'infiltrer, ça veut dire que la règle, je l'aurais brisée. Mais si j'arrive pas, ça veut dire que c'est impossible de la briser. Allez. C'est fermé là. C'est fermé, ça veut dire que c'est impossible de s'infiltrer dans les loges. Et j'ai pas brisé la règle. Il y a une règle au football qui dit qu'il est interdit de tirer un penalty à deux en même temps. C'est parti, on va briser la règle. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là. Mais c'est complètement nul, on a raté le penalty. C'est encore plus nul qu'une frappe normale. Mais je comprends. Je comprends, c'est interdit. Ouais, ouais, franchement, je comprends. Mais on a brisé la règle, c'est le plus important. C'est le plus important, let's go. Il y a une règle que je vais briser et que j'ai déjà personne. Secrètement, j'ai ramené ce laser. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de pointer ce laser sur les joueurs. Donc là, on va essayer de faire ça sur les joueurs. Et je vais briser la règle comme ça. Je vais briser le gardien avec. Oh là là. Mais le laser que j'ai pris, il est pas assez puissant. Mais j'ai quand même brisé la règle, j'ai ramené ce laser de fou. Oh les gars, on est dans le vestiaire et là l'entraîneur il est parti. C'est quoi là? Regardez ce que j'ai ramené. Oh là là, mais c'est ça. Une pizza 4 fromages. Tu sais que c'est interdit de manger une pizza avant l'entraînement.
Mais soyez des hommes, me fait manger les gars. Ouais, t'as raison. Allez, allez les gars. En plus, avant le foot, c'est bon de manger une pizza. Alors brisez cette règle. Let's go les gars, on a brisé la règle. Juste derrière nous, c'est un stade complètement fermé et interdit au public. Alien Ray qui dit qu'il est interdit d'escalader ce stade si on n'a pas les clés. T'es prêt? C'est parti, on va l'escalader, on va briser la règle. Vu comment le grillage est cassé, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà brisé cette règle. Alors nous aussi on va la briser. Avec Zakos, on a réussi à passer, la règle est brisée. Let's go, on va pouvoir jouer au foot. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer au foot le soir parce qu'on voit rien. Honnêtement, je vais voir si je peux briser cette règle. Ok. Oh là là, mais j'arrive pas à voir. Mais heureusement, grâce à ce ballon fluorescent, ça me permet de briser la règle. Regardez les gars, je peux jongler avec le ballon fluorescent et j'ai brisé la règle. Il y a une règle qui dit que dans les stades de foot, on peut pas s'introduire avec des instruments comme un vuvuzela et avec de la nourriture comme un paquet de M&M's. Ça, c'est très bien. Comme vous l'avez vu, la sécurité a pris mon vuvuzela. Je suis dégoûté. Toi, c'était impossible que tu rentres avec. Ça se voit que tu voulais faire n'importe quoi dans le stade. Alors que moi, mes M&M's, ils sont passés. Donc, ta règle, toi, on peut dire que je suis à briser ou pas? Moi, comme moi, je suis pas passé et toi, t'es passé, la règle, elle est mitigée. La règle, elle est mitigée. Ça me fait toujours mal de mettre la tête pour marquer des buts au football. Alors, je vais jouer avec un casque et ça, c'est une règle interdite à briser. Ça permet de mettre des têtes ultra puissantes. Golasso, grâce au casque, j'ai réussi à marquer une tête puissante. T'as pu faire quoi, Zakos? Mais frérot, c'est trop de la triche. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer avec des chaussettes trouées. J'ai brisé la règle et en plus, ma jambe, elle est mieux aérée. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de fouiller les poubelles des magasins de sport et de football. Juste derrière nous, il y a un sport. Et Zach va monter. Allez, go, go, go. C'est parti, Zach va essayer de fouiller et briser cette règle. Allez, allez. Il y a quoi d'intéressant? On est dans un magasin de football. Essaye de récupérer le premier truc que tu peux. Oh là là, un carton de chaussures. T'as ramené un carton de chaussures? Regardez, t'as ramené un carton de chaussures. Il écrit quoi? Junior. Junior. Mais les gars, y a rien. Mais les gars, on n'est pas là pour fouiller les poubelles. On a brisé la règle. Tu peux sortir. T'as rien trouvé, mais on a brisé la règle. C'est parti. On est en plein match et vous êtes même pas rendu compte que vous allez briser une règle, vous deux. C'est quelle règle? La règle, c'est que vous êtes venu supporter un match avec un maillot qui n'est pas de votre équipe. Alors que le match juste derrière n'a absolument rien à voir. Il y a ni l'Algérie ni le Maroc qui joue. C'est vrai? T'as raison, mais là, on a brisé une règle. Ouais, on a même pas d'exploit en plus. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer au foot dans la rue parce que ça gêne les voisins. Allez, c'est parti, on fait un mur. Vas-y. J'espère les voisins ils vont pas sortir, les gars. S'ils sortent, on va se faire déchirer par les filles. Oh là là! Il a tapé le portail. Pour le moment, le voisin n'est pas sorti et ni les flics. Mais moi, j'ai cru que t'allais perdre le ballon en l'envoyant par-dessus la maison. C'est vrai, si le voisin est agressif, il vous rendra jamais le ballon. C'est pour ça que c'est interdit. Et on a brisé la règle. Let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, carton jaune, faute. Espèce de gros chef. Comment? Je mérite un carton jaune. Ouais, carton rouge. Je mérite un carton jaune. Tu prends mal, tu prends mal. Carton rouge. Allez, allez, dégage. J'ai brisé la règle d'insulter l'arbitre. Et il a aussi brisé la règle de frapper un arbitre. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer au foot sur la route. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que regardez la voiture derrière nous, on peut gêner les voitures. Vas-y, fais-moi la passe. Allez, c'est parti. Vas-y, tiens. Ok, ok. On brise la règle, là, let's go. Vas-y, fais attention. On a brisé la règle. Voilà. Les gars, on a brisé la règle, let's go. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de dégrader un stade de foot. Et pour le dégrader, quoi de mieux que de couper les filets avec un ciseau? Oh là là, mais t'es fou. Ah, t'es prêt à faire ça pour briser une règle? Je vais briser la règle, je vous le dis, moi je suis un fou, moi je suis malade. Ok, je te laisse faire. Allez, 3, 2, 1. Non, arrête. Fais jamais ça. Parce que si tu dégrades les cages, on pourra plus jouer. Et, ouais. Et en plus, ils risquent d'appeler la police. C'est donc la seule règle qu'on va pas briser. Il y a une règle qui dit que c'est interdit d'appeler un joueur. Parce que si ça y a un joueur, on va voir qu'il va nous répondre et ça le gêne. Moi, personnellement, je trouve que ça gêne, mais on va essayer quand même. En plus, le stade il est vide, donc c'est sûr qu'il va entendre. Oh, Bamou! Allez, Yacine! On l'a appelé, il a failli marquer, mais on a brisé la règle quand même. Au moins, ça l'a pas dérangé. Donc, on a brisé la règle. Calme-moi, on est loin, il a pas entendu. Il y a une règle à briser qui dit qu'il est interdit de faire un concours de jongle dans un magasin de football. Juste derrière nous, il y a plein de ballons. Et vas-y, je te laisse commencer à faire les jongles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, oh, t'es super nul. Oh, j'ai pas réussi à faire de jongle. Je pense que c'est le stress du magasin de football. C'est à mon tour. Je vais vite te dépasser. 1, 2, 3, 4. Oh là là. J'ai réussi à briser la règle. Ouais, mais là, t'as vraiment brisé la règle. La sécurité, elle va arriver. T'as tout cassé. Il est interdit de célébrer comme Cristiano Ronaldo avec le maillot de Lionel Messi. Donc, je vais faire la célébration de Ronaldo. 1, 2, 3. Et j'ai brisé la règle, let's go. Là je suis dans un vestiaire de foot et il y a une règle qui dit que c'est interdit de jouer aux jeux vidéo dans le vestiaire. Là j'ai lancé Stumble Guys et je vais jouer sans que l'entraîneur me voie. C'est parti, j'appuie sur jouer. Mon personnage est ici, la règle est brisée. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de mettre un panier de basket avec un ballon de foot. On va voir si je peux briser cette règle.
Oh là 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 là! Je vous l'ai dit les gars, la règle est brisée. J'ai brisé cette règle, je suis plus fort. On est dans un vestiaire de foot et il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer avec un ballon dans le vestiaire. Sinon l'entraîneur va vraiment s'énerver. T'es prêt? Vas-y frère, on fait quoi, une brésilienne? Mais si on fait trop de bruit, l'entraîneur va s'énerver. Vas-y, moi je vais briser les règles, je suis pas pour briser les règles. Tiens, celui qui en baisse le plus nul. Okay. Il a perdu les cryptos les gars, il a perdu, vous l'avez vu, et on a brisé la règle tous ensemble les gars, let's go. Mais c'est parce que j'ai peur de l'entraîneur. Et qui dit qu'il est interdit de jouer au foot avec un ballon du PSG. Non. Là c'est écrit Paris, logo de Paris, faut jouer au foot avec. Mais là vous voulez jouer devant le vélodrome avec. Moi personnellement, je suis ni fan du PSG, ni fan de l'OM. Mais donc moi, ça me dérange pas de jouer. Attends, c'est dangereux ou pas? Moi jamais je jouerai avec un ballon de Paris devant le vélodrome. Bah attends, faut briser des règles. Moi je prends le risque, on prend le risque. Moi ou pas? Je joue pas. Moi je vous le dis, je prends pas le risque. Je joue pas, je supporte quand même jamais. Ok. Ma des fous, allez, vous êtes fous. Oh là là, oh là là, ça participe. Ma parole, arrêtez. Ma parole, je prends pas. Oh là là, les gars, on a brisé la règle, c'est une dinguerie. Ça fait 10 minutes que Crypto et Mini Crypto devaient être là à l'entraînement. Qu'est-ce qu'ils font? Excuse-nous pour le retard, vous êtes là? Désolé. C'est interdit d'arriver en retard à l'entraînement. C'est interdit? Oui. Ça veut dire que là, en gros, on a brisé une règle. Ouais. Let's go, encore. Ça fait pas, les gars, Let's go. On a brisé la règle du retard. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de courir sur un terrain en plein match. Est-ce que je vais la briser? Est-ce que je vais pas la briser? On va voir. Juste derrière moi, la sécurité. Et on va voir si c'est possible de la briser ou non. Bon les gars, on peut briser cette règle malheureusement, c'est m'a dit non, c'est pas possible. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de tirer sur un panneau stop, sinon la police va venir. C'est parti, on va mettre une tête sur le panneau stop et j'espère qu'il n'y aura pas la police. Allez, c'est parti. Oh là là, ça fait du bruit. Il y a la police? Non, mais j'ai brisé la règle, let's go. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de porter des filets anti-petit pont. Mais pourquoi? Affronte-moi dans un 1 contre 1. C'est parti, let's go. Vas-y. C'est parti. Vas-y, viens, c'est un homme, jamais tu mets un petit pont. Mais bien sûr, vas-y, essaye. C'est trop facile, essaye. Oh là là. Je vous ai dit, c'est trop de la triche ces filets. Impossible de prendre des petits ponts, ramenez-moi Neymar, n'importe quel joueur de foot, je le prends en défense. Et avec ses filets, j'ai brisé la règle. J'ai les gants de Zakos, il est parti bord de l'eau, c'est ses gants de gardien. Tu sais qu'il y a une règle qui dit qu'il est interdit de piéger les gants du gardien adverse. On va les piéger avec du savon. Mais du savon, okay, on va marquer tous les buts, il va plus rien arriver à attraper. Ok, étale. Ok, il va même pas remarquer. Vas-y. Comme si rien n'était, comme si rien n'était. On attend qu'il revienne, on lui met un penalty. C'est parti. C'est parti pour tirer un penalty, Zach, t'es prêt? Vas-y, impossible, tu passes. Oh là là, vous avez vu? J'ai piégé ses gants et ça a marché. Let's go! Prochaine règle à briser, c'est qu'il est interdit de jouer avec des faux crampons. C'est parti pour jouer avec les faux crampons. Let's go. Ok, c'est pas mal. Au niveau du toucher, les gars, ils sont vraiment pas mal. Regardez, ils sont incroyables. Oh là là. Oh là 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 là! Ces faux crampons, je comprends pas pourquoi c'est interdit. Elle coûte seulement 20 euros et en plus, c'est une dinguerie. Mais j'ai quand même brisé la règle. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de mettre de la colle sur des gants de gardien. Sur des gants de gardien? Ça permet d'être absolument trop fort. Comment donc ça? C'est parti, tu vas voir. Oh, oh là là, ça colle, ça colle. Dans les yeux. Regarde là maintenant. Oh là là! Ça colle? Ça colle! Normalement, avec ça, tu dois attraper tous les ballons. Mais regarde là, ça, j'arrive même plus à les bouger. Oh là là, mais t'es bloqué quoi? Ah, c'est trop! Oh là là, mais c'est une dinguerie. Y'a encore de la colle! Oh, la colle sur les gars, c'est incroyable, le ballon il colle à ma main. Regardez cette dinguerie. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de demander un maillot PSG à la boutique de l'OM. On va voir ça de suite. On est derrière la boutique de l'OM, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Derrière moi, il y a quelqu'un qui travaille à la caisse, je vais aller lui demander de suite si on peut trouver un maillot PSG. Demande-lui un. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer avec des lunettes au football. Depuis petit, j'ai jamais joué au foot avec mes lunettes. Tout le temps, je voyais rien. Je vais essayer avec mes lunettes et je vais voir pourquoi c'est interdit. Centre, centre! Oh, mes lunettes! Je comprends pourquoi c'est interdit, j'ai brisé cette règle! Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer au foot avec un ballon en basket. Tu tires, tire? Vas-y, tire, je dois tirer. Non, moi, je ne pas cette règle. Vas-y, mets-moi. Tiens, ok. Oh là là, j'ai brisé la règle et en plus de ça, j'ai marqué. Juste ici, j'ai des crampons customisés de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Et il est interdit de porter des crampons customisés dans un match de foot. Alors moi, je vais les porter et je vais marquer un but contre Zakos Otakos. J'ai mis les crampons de CR7 customisés et je vais tirer comme lui. Oh là 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 là, ces crampons, ils sont incroyables. Et je comprends pourquoi c'est interdit de jouer avec. J'ai brisé la règle. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de rentrer dans la boutique officielle de l'OM avec un faux maillot de l'OM. Là, j'ai mon faux maillot et on va voir si j'arrive à briser cette règle. C'est parti, suivez-moi. Là, je suis devant la boutique avec tous les vrais maillots. Là, j'ai mon faux maillot de l'OM. Honnêtement, il passe vraiment bien. Personne n'a cramé que c'était un faux maillot. On peut dire que la règle est brisée. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit d'acheter des produits dopants pour le foot. Pour le foot, ça veut dire ça augmente les capacités. On prend lequel? Celui-là ou celui-là? Honnêtement, celui-là. Ok, on va prendre celui-là. Et les gars, on va l'acheter. Let's go. Avec ça, je vais courir beaucoup plus vite. C'est parti, je vais en prendre. C'est parti, je vais courir plus vite que tout le monde. Règle brisée. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de faire un contrôle avec une boule de bowling. Tout à fait. Je vais mettre mon pied juste ici et dans 3,
2, 1, tu la lâches. Oh là là, oh là, là. Mais jamais de la vie je suis en contre avec ça. Pourquoi? T'es fou, t'es malade. J'ai pas envie d'avoir le pied cassé, donc je brise pas cette règle. Oh là là. Il y a une règle qui dit que c'est interdit d'utiliser un sifflet dans un magasin de football. Regardez le sifflet, il est juste ici et je vais l'utiliser. Let's go. J'ai pris le sifflet et je vais l'utiliser. Let's go, j'ai brisé la règle. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer dans un city en béton avec des crampons de football pour l'herbe. Là, j'ai mis des crampons. Je brise la règle, les gars. Je brise la règle. Ouais, le ballon. Les gars, j'ai brisé la règle. J'ai joué avec des crampons sur un stade en béton. C'est brisé. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de faire la célébration sous de Cristiano Ronaldo. 3, 2, 1. J'ai brisé la règle. Zakos, tu sais que tes gants ont été interdits. Mais pourquoi? Mais regarde, le Nike, il est trop grand et la FIFA a décidé de le bannir. Ça veut dire que depuis tout ce temps, je brise la règle? Exactement, ils ont fait un Nike trop grand, ça veut dire qu'ils l'ont interdit dans tous les matchs de foot. Oh là là, du coup donc ça... là, t'as brisé trop de règles. Let's go. Là, il y a Crypto et Mini-Crypto qui viennent de rentrer avec leur billet. Moi, j'ai aucun billet, je vais essayer de rentrer. Là, il y a la queue devant moi, je suis en train d'attendre. Ah. Vous avez déjà oublié vos protèges bien avant votre match de foot, mais sachez quelque chose, il y a une règle qui dit qu'il est interdit de remplacer ses protèges bien par des protèges bien en carton. Oh là, là ici, j'ai des protèges bien en carton. Et imagine, tu veux jouer ton match, mais t'as pas de protèges bien. Eh bien, il y a une règle qui dit que c'est interdit. Mais en vrai, l'arbitre, il va rien voir, il va penser que c'est un protège bien normal. L'arbitre va penser que c'est un protège bien normal. Mais à partir du moment où vous allez recevoir un coup. Comme ça? Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment, vraiment ça, mal. C'est super dangereux. C'est comme si on portait rien. Donc ne faites pas cette règle. On l'a brisée, mais ça ne pas refaire chez vous. Derrière moi, il y a un mur de crampons. Et il y a une règle qui dit qu'il est totalement interdit de tester un crampon sans demander au vendeur. Normalement, on demande la paire au vendeur, il nous la ramène et elle prend la test. Moi, je vais prendre cette paire directement du mur et je vais essayer. J'essaie d'étirer la paire au max, mais mon pied est bloqué. Regardez ça, j'arrive pas à mettre la paire. Ce qui signifie que c'est totalement impossible de briser cette règle. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de jouer avec deux crampons différents. Mais pourquoi? À ton avis, pourquoi? Je sais pas. Parce que avec mon pied droit, je suis plus Neymar avec les Hyper Venom. Et avec mon pied gauche, Antoine Griezmann. Oh là là. Ça veut dire que je combine le pied gauche d'Antoine Griezmann et le pied droit de Neymar. Ça devient trop fort. C'est vraiment de la triche en fait. C'est de la triche, et oui les gars, mais j'ai brisé la règle. La prochaine règle à briser, c'est qu'il est interdit de porter un maillot vert qui est la même couleur que la pelouse. Regardez, je suis comme la pelouse et j'ai brisé la règle. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de boire un Powerade à côté des maillots parce que ça peut les abîmer. Mais t'es fou de faire ça. C'est excellent. Mais c'est excellent, mais t'as réussi à briser la règle. Ouais. Mais tu l'as payé ce Powerade ou quoi? Non, je l'ai pas payé encore. Oh là là, mais t'as brisé deux règles en même temps. T'es fou, t'es trop fou là. Oh là là. Mais j'espère que tu vas le payer ce Powerade. Évidemment, faut toujours payer les gars. Ok, let's go. Ici, j'ai de la Maxi Glue et il y a une règle qui dit qu'il est interdit de mettre de la glue sur le bout de ses chaussures pour mieux contrôler le ballon et que le ballon colle à notre pied, premier degré. J'ai mis un max de glue sur le crampon et là avec cette colle, je vais contrôler tous les ballons. Vous êtes pas pris? C'est parti, je vais faire le meilleur contrôle de toute ma vie. Oh là 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 là, j'ai réussi à contrôler parfaitement le ballon. Je peux vous dire que la colle, elle m'a beaucoup servi et cette règle, je comprends pourquoi elle est interdite. Je suis en goal et il y a une règle qui dit qu'il est interdit de mettre une casquette comme ici en gardien. Là j'ai mis une casquette en gardien. Et on va voir pourquoi c'est interdit. Il y a beaucoup de soleil, cette casquette me permet de ne pas avoir mal aux yeux. Je comprends même pas pourquoi c'est interdit, mais j'ai brisé la règle, je suis gardien avec une casquette. Il y a une règle qui dit que c'est interdit de changer le prix de l'article. Regardez, on a un maillot du Barça, il est déjà en promotion et il vaut 40 euros. 40 euros, c'est encore cher quand même. C'est encore cher, mets-moi 10 euros. Moi. Laisse-moi, je te mets à 10 euros de suite. Mais attends, attends, t'es un fou. Quoi? Avec pas le prix, tu sais que c'est illégal. C'est illégal? Parce que là, c'est du vol. Alors que je pense qu'on peut. C'est impossible de briser. Faites jamais ça. Faites jamais ça, c'est impossible de briser la règle. Il y a une règle à briser qui est qu'il est interdit de mettre un short de Ronaldo Al Nasser avec un maillot de l'Inter Miami de Lionel Messi. Et moi j'ai mis les deux. Et c'est interdit de briser cette règle parce que sinon t'es un footchix. Donc moi j'ai brisé la règle, mais ne croyez pas que je suis un footchix, je préfère Ronaldo. Si tu as kiffé cette vidéo, alors clique en haut à gauche pour voir une vidéo où on a testé 100 produits bannis du football. Clique ici, tu vas pas être déçu.